It's on. Leave it on. I want my MTV. You want your MTV. I want my MTV. I want my MTV. Alors que Jeff Buckley arrose copieusement de ketchup le contenu de son assiette, Arif envahit la pièce. On est en 1985, la télé est branchée sur MTV et il entend pour la première fois How Soon Is Now de Smiths. Il est bluffé, il n'a jamais entendu des paroles aussi fortes sur une musique aussi bonne. Ce morceau influencera toutes ses futures compositions. Nous ne sommes pas tous des Jeff Buckley, mais nous avons eu ce sentiment de fascination, envoûté par les premières notes de la guitare de Johnny Marr, emporté par les paroles de Morrissey. Bienvenue sur 1AM, aujourd'hui on parle de How Soon Is Now des Smiths. Ça n'était pas gagné. Ce morceau aura demandé des efforts surhumains à Johnny Marr pour produire la musique qui habillera les paroles de Morrissey. Mais Johnny Marr, futur ingé son pour le suspirer de Thom Yorke et pilier des Smiths, ne manque pas d'idées. Pendant l'été 84, après un accès de composition fiévreuse, il a produit une première démo du titre appelée Swamp. Il recherche quelque chose d'aussi fort que le Layla Clapton. Ce doit être sauvage et effrayant, oscillant comme les pales d'un hélicoptère au décollage. Repiquant l'intro de Mona de Bodiley, il pousse plus loin le procédé. L'effet de trémolo qui parcourt la traque est produit par un accord plaqué sur une guitare, et le signal est envoyé à 4 amplis dans une salle. Ils sont deux à contrôler ce qui en sort, et lorsque l'effet se désynchronise, il faut tout relancer. Puis il y a ce glissé qui vient percer le mur du son de la rythmique. Il va chercher aussi dans tout ce que le krautrock et la disco ont à proposer pour construire le beat du morceau. Mais le coup de génie sera d'extraire un gimmick du titre You Gotta Believe, du rappeur Love Bugsarski, pour faire les harmoniques iconiques de la traque. Morrissey va enregistrer les paroles, et lampe rouge installée pour l'occasion donne un aspect surréaliste au studio. Tout est prêt. Patrick Morrissey a déjà le titre, How Soon Is Now. Il l'a extrait du livre de la critique féministe Marjorie Rosen. Dans son livre, Popcorn Venus, elle demande « Dans quelle immédiateté peut-on être gratifié? Combien de temps jusqu'à maintenant ?» Il détourne aussi une ligne de Middle March de George Eliot, nom de plume de Marianne Evans, « Je suis le fils et héritier d'une timidité criminellement banale. » Je suis le fils et héritier de rien de spécial. Morrissey rongé par sa timidité, Morrissey l'incarnation du néant social qui pratique son autobiographie avec l'ironie cinglante d'un Oscar Wilde. Et les Smiths sont réellement contents, ce morceau a une vibe particulière, un potentiel. Mais le patron de leur label, Rough Trade, n'est pas du même avis. Trop long, trop éloigné du style habituel des Smiths. Il passera donc en phase B. Et pourtant cette track s'inscrit parfaitement comme un chapitre du futur pamphlet politique et social que sera le deuxième album, Meat is Murder. C'est finalement John Peel, DJ animateur à la BBC Radio, qui repêchera le morceau en le classant parmi les meilleurs tracks de l'année 84. Mais l'industrie n'en finit pas de saboter les intentions des Smiths. La filiale de Warner qui gère la distribution du groupe aux US veut un clip, et c'est Jeff Ayeroff chargé de la com visuelle qui s'y colle. Faut dire que tout se passe sur MTV maintenant. Pingre incapable de convaincre Ariel de tourner quelque chose pour le clip, il engage Paula Greif, qui s'occupait des pochettes des Smiths, avec des instructions précises. Chope des rushs, et démerde-toi pour foutre une meuf dedans. Ce qui sera fait, à l'aide d'une captation pendant les balances du groupe à un concert et la superposition d'une jeune femme en train de danser que Paula a filmé en Super 8. « C'est inacceptable! Pourquoi vous avez fait ce clip idiot? C'est dégradant !» lance Morrissey au manager de la filiale de Warner, qui lui répondra « Eh ben, peut-être que vous n'avez rien à faire sur notre label. » Malgré tous les coups bas, le titre traversera les décennies, parfois porté par d'autres groupes, la reprise la plus populaire étant celle de Love Spit Love qui habillera le générique de Charmed, mais aussi celle du duo girly russe Tattoo que Johnny Marr trouvera trop artificielle alors que Morrissey la qualifiera de grandiose. Alors qu'on lui glissera que les filles sont peut-être lesbiennes, il aura cette réponse cinglante et fidèle à ses engagements. Ne le sommes-nous pas tous et toutes? Merci d'avoir suivi cette chronique dédiée à How Soon Is Now des Smiths. Comme d'hab, encore quelques infos. À la sortie de Meat is Murder, La viande c'est le meurtre, deuxième album où l'on peut trouver How Soon Is Now, Morrissey interdira aux autres membres du groupe d'être pris en photo mangeant de la viande. Il faut dire que c'est l'album le plus engagé des Smiths qui sont sur tous les fronts. L'anti-thatcherisme, le végétarisme, les punitions corporelles et même la bienveillance postcoloniale. La pochette originale de l'EP présentant Sean Barrett les mains jointes au niveau de laine, image tirée du film Dunkirk de 1958, n'a pas franchi l'Atlantique, étant considérée par les Américains comme une mimique masturbatoire. Ouais, Sean Barrett, tu te masturbes. Non, tu ne pries pas humblement, l'Amérique s'est prononcée. Tu te touches le kiki. Reste qu'on ne pouvait faire l'impasse, et je mets d'énormes guillemets, sur le racisme de Morrissey. Morrissey est un grand admirateur de la cause noire et particulièrement de James Baldwin, activiste pour les droits civiques, écrivain noir et gay qui partagea sa vie des années 20 à la fin des années 80, entre les États-Unis et la France où il s'éteint paisiblement. Mais Morrissey a un peu trop hâtivement cherché à faire un crossover entre une de ses chansons, Unlovable, et James Baldwin. Ce qui donne, comme on peut le voir sur ce t-shirt de tournée, un James Baldwin entouré de la phrase
Je porte du noir, car je me sens noir à l'intérieur. » Il y a aussi ce commentaire sur la politique d'Obama, où pour caricaturer, il accusait l'ancien président de trop se blanchir, pour se conformer à une politique conservatrice pro-police, dans un contexte d'extrême tension raciale. Il est réellement malvenu d'aller réduire le manque d'engagement d'une personne noire à un problème d'identification ou d'abandon de ses racines. Il y a quelque chose que je comprends dans l'idée de Morrissey, mais c'est beaucoup trop mal dit pour être intelligible. Il en va de même pour le t-shirt. Je n'irai pas plus loin sur ce sujet. Pas assez de sources pour réfléchir de façon claire sur ce qui a été dit, rapporté ou tronqué. Et manque de culture personnelle aussi, je me dois de l'avouer. Je dirais juste, ne soyez pas militant idiot. Comme disait Igloo Ghost, votre cerveau c'est le bien le plus précieux. Utilisez-le. C'était Indiana Jones au micro pour l'émission 1AM. Prenez soin de vous, soyez fiers d'être timide si c'est le cas. Sortez beaucoup et sortez couverts. Je vous aime.